Salutations tout le monde! La capsule que vous allez suivre vous présente une technique de pêche et l'équipement idéal pour la réaliser, qui est certainement une des façons de pêcher que j'aime le plus. On va pêcher la truite grise à la verticale, à la jig, en utilisant la technologie Panoptix de Garmin. Vous allez voir, on est en direct avec le poisson, on voit nos leurres, on voit la réaction du poisson. Ça nous aide à sélectionner nos leurres, ça nous aide aussi dans notre façon de travailler leurre pour susciter des attaques. Il y a de quoi qui s'en vient. Ouais, elle est partie sur toi. J'ai une attaque. Oui, elle est partie direct sur toi à pleine vitesse. Quand elle est arrivée à côté de moi, elle m'a lâché et elle est allée directement sur toi. Oups, il y en a un qui vient me voir. Ouais, c'est elle qui revient, c'est la boule de tantôt, ça. OK. La boule rouge qui est là, d'après moi, ça, c'est deux grises ensemble. Hop, Dan, il arrive à ta droite. Allez, va. Oh, tiens, elle court après toi, Dan. Voilà, allez! Ouais, monsieur! Ah oui, là, j'ai vu qu'elle avait un intérêt, là. J'ai commencé à mouliner, puis à donner des tout petits swings avec la pointe de ma canne. Le petit menu qui essaye de se sauver du prédateur. Il est parti à vrai. Là, je suis rendu à 40 pieds. Ah! J'ai bien fait de remonter le moteur. Elle est allée virer où l'hélice. Lève-la. Wow! Et voilà! Un autre beau poisson. En remontant pendant le combat, là, elle a ramassé la ligne à Marc-André. Fait que là, j'ai un fil tressé vert au travers de mes affaires. Les modèles font plus en longueur, celui-là. Les modèles de course? Ouais! Là, c'est une situation où on a pu parfaitement voir comment j'aime travailler ces poissons-là avec le Panoptix. L'écho, quand j'ai descendu mon leurre, je voyais un écho qui semblait plus gros que les autres. La boule rouge était plus grosse que les autres. J'ai descendu mon leurre un peu moins creux que ce que je pensais être la grise. Puis là, à un certain moment donné, elle commençait à s'approcher doucement. Là, j'ai commencé à mouliner et à donner des petits swings avec ma canne à pêche, comme le petit menin qui, tout à coup, décide de sauver du prédateur. La réaction est instantanée. La grise est partie après moi, puis boum. Cette feinte-là, je l'aime. Parfois, ça marche pas. Elle va suivre. Tu dis, elle va m'attaquer. Elle l'attaque pas. Par descend. Dans ce temps-là, j'ouvre mon moulinet. Je laisse descendre le petit poisson. Je passe à côté d'elle. Je laisse descendre plus loin. Souvent, on la voit replonger. On réussit à susciter l'intérêt une deuxième fois. Fait que c'est un peu comme ça qu'on peut travailler ça, puis c'est pas mal extraordinaire. Dans le fond, je m'avance contre le vent, je remonte contre le vent. Question de positionnement des sondes. Quand je repère quelque chose d'intéressant, je mets tout de suite le système d'ancrage de mon moteur électrique Force. Là, je suis direct au-dessus des poissons. Je garde ça là, ferme le moteur hors bord, puis on les travaille dans le Panoptix.